Est-ce que Cristiano Ronaldo a fait le bon choix en allant en Arabie Saoudite Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de CRC, les gars. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, tu le sais bien. Sur cette chaîne, nous, on parle de foot. cette chaîne, nous. nous, on est pas de foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si ce fond est parti. Alors, les gars, est-ce que est-ce est que Cristiano Ronaldo a fait le bon choix en allant en Arabie Saoudite, les gars? Pour moi, c'est un peu un choix par défaut parce qu'il faut le dire Cristiano Ronaldo voulait encore jouer en Europe. C'est parce que les clubs européens ne voulaient plus de lui. À l'occurrence, c'est les grands clubs. Je pense notamment à Manchester United je pense à Manchester City. Je pense à Chelsea, je pense au Bayern, bref, tous les grands clubs ne le voulaient plus. Du coup, donc, comme Cristiano Ronaldo est exigeant, il ne voulait pas aller dans un club européen, dans un club en Europe, qui va lui proposer un petit salaire. Du coup, donc, il est obligé de partir en Arabie Saoudite, surtout que l'Arabie Saoudite lui proposait un salaire mirobolant, un contrat mirobolant. Donc, pour moi, ce n'est pas. Ce n'est pas un choix vraiment du cœur. Cristiano Ronaldo est parti en Arabie Saoudite parce que, parce que il n'avait pas mieux. Hein. Il n'avait pas mieux, les gars. Il n'avait pas mieux. Ce n'est pas, pas comme si euh, il allait là-bas parce qu'il aime trop l'Arabie Saoudite, etc. Il allait en Arabie Saoudite parce qu'il n'avait pas mieux. Vous pensez vraiment que s'il avait, avait eu un bon contrat, peut-être avec le Bayern de Munich, il serait resté. Il serait resté au Bayern. Il se reste un temps pour moi. Donc, euh, pour moi, le choix de Cristiano Ronaldo d'aller en Arabie Saoudite, c'est un choix par défaut. Après, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce qu'il a fait le bon choix Dis-moi ton ressenti en commentaire par rapport à cela. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est ce, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.